Bonjour à tous. Donc, j'appartiens pour ma part à la communauté professionnelle des bibliothécaires et je suis historien du livre et de l'édition, un produit Albin Michel pour ne rien vous cacher. Et je réponds avec plaisir à l'invitation qui m'a été faite par le SNE en proposant justement un excursus historique sur le phénomène de la prescription éditoriale en amont de l'apparition de l'univers numérique. Alors c'est une histoire longue, je vais simplement dans un temps très court en évoquer les grandes étapes, les enjeux et les supports. C'est une histoire longue parce que le plus ancien acte de prescription qui soit documenté est absolument contemporain de l'invention de l'imprimerie. Nous sommes à l'hiver 1454-1455, la Bible de Gutenberg est en cours d'impression à Mayence, et voici ce qu'en écrit un personnage important qui est à la fois humaniste, poète, évêque, mécène, qui sera bientôt pape sous le nom de Pie II, hein, il s'agit d'Ennea Silvio Piccolomini, qui dispose d'un certain capital d'autorité, hein, et d'un statut, d'une visibilité dans les réseaux de l'humanisme qui en fait une espèce d'influenceur avant la lettre de droit. Dans une lettre, dans une correspondance, il s'enthousiasme publiquement pour les qualités d'un livre qu'il vient de découvrir à la foire de Francfort. Ce livre, c'est la Bible de Gutenberg, je le cite, « J'ai vu non pas la Bible entière, mais plusieurs cahiers qui étaient en cours d'impression, présentant un texte très net d'une grande correction sans aucun défaut que votre éminence pourrait facilement lire sans lunettes. » Alors, vous pourriez me dire, mais on n'est pas dans l'ordre de la prescription ici, c'est une appréciation qui est formulée dans le cadre d'un échange privé, hein, dans le cadre d'une lettre d'un cardinal à un autre cardinal, mais si pourtant, vous le savez sans doute, la correspondance à la Renaissance, la correspondance écrite, particulièrement entre deux prélats humanistes, est un dispositif d'information et de médiatisation. Cette correspondance a la vocation à être lue, à être copiée, à être répercutée, et elle a pour vocation aussi à son tour à être imprimée. J'en veux pour preuve que si cette lettre, nous la connaissons bien, c'est parce qu'elle est connue par quatre copies contemporaines, quatre copies du temps, et surtout parce qu'elle a été imprimée à deux reprises dès le XVe siècle dans le cadre de recueil de la correspondance de Piccolomini. Alors c'est une caractéristique de toute la Renaissance européenne. Il y a bien sûr des espaces privilégiés de prescription des livres nouveaux que sont les conciles, les couloirs et les antichambres des séances conciliaires. Il y a la foire de Francfort. Il y a les universités, mais le principal vecteur de la prescription, c'est la correspondance écrite des lecteurs, une correspondance qui ne relève pas de l'intime, une correspondance qui est un exercice de dissémination des sélections et des appréciations. Et pour le premier tiers du XVIe siècle, le cas d'Erasme, que vous voyez à l'écran, est sans doute le cas le plus exceptionnel en la matière, c'est le plus efficace prescripteur de la production imprimée de son temps, du fait de sa très grande proximité avec les professionnels de la librairie. Erasme est un penseur, est un intellectuel qui travaille dans les ateliers typographiques et auprès des libraires, du fait de l'étendue de son réseau. Et son immense correspondance abonde en détails sur l'appréciation des livres. Il prospecte et il réclame les livres qui lui ont été recommandés, ce qui est une manière de redoubler une prescription préalable. Il conseille des lectures, il envoie et prête lui-même des livres dont il considère qu'ils doivent être lus, et cette correspondance est elle-même en partie destinée à la publication, ce qui est une manière de pérenniser et de répercuter là encore la prescription et d'en étendre l'audience. On peut considérer, je crois, le nombre d'échos et de rebonds d'une telle lettre, d'une lettre d'Erasme par exemple, ou d'une lettre de Piccolomini, par la lecture partagée, par la copie manuscrite, par l'édition et la réédition imprimée, comme un indicateur que l'on pourrait apprécier, bien évidemment, mutatis mutandis, comme le nombre de retweets ou de partages d'une vue sur la chaîne d'un booktuber. Mais cet enjeu de la prescription au XVe siècle, il est nouveau. Nous venons d'entrer dans l'ère du multiple, l'imprimerie avec des tirages potentiellement plus importants que le nombre d'acheteurs, le nombre de consommateurs immédiatement pressentis par les imprimeurs libraires. Eh bien, cette nouvelle économie est en train de transformer l'écosystème de la production livresque. Il est en train de rendre nécessaire aussi bien la promotion que la prescription. Jusqu'ici, vous le savez, les manuscrits étaient commandés souvent à l'unité par des clients souvent issus des élites sociales et intellectuelles. Le marché était déterminé par une demande commanditaire qui était bien identifiée.
Et désormais, à l'inverse, c'est plutôt l'offre qui devient première, qui doit être résorbée et qui doit trouver les moyens efficaces de susciter la demande. Alors je reviens rapidement à l'année 1454. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les producteurs en la matière, hein, Gutenberg et ses associés, Jean Fust et Peter Schoeffer, ont en fait hameçonné le prescripteur. Hein. Ils l'ont provoqué. Hein. Puisqu'ils ont fait le choix eux-mêmes de présenter la Bible à l'empereur, ils ont fait le choix de présenter et d'exposer les cahiers en cours de publication à la foire de Francfort, sachant très bien qu'ils étaient susceptibles d'attirer l'attention de ces prescripteurs pressentis. Et ils ont sans doute aussi, d'après ce que laissent entendre les sources, ils ont sans doute aussi laissé entendre et laissé circuler l'information selon laquelle les exemplaires de la Bible à 42 lignes, puisque ces exemplaires dont l'impression était en cours, étaient déjà tous en passe d'être acquis. Alors, au-delà de la correspondance, il faut aussi mettre en relief d'autres supports de prescription utilisés dès le XVe siècle. Et quand on examine ces supports, on doit faire un double constat. Le premier constat, c'est que les prescripteurs vont utiliser, en les prolongeant ou en les détournant, des outils que les imprimeurs libraires ont eux-mêmes inventés pour faciliter la circulation des livres et provoquer leur consommation. Et parmi ces innovations de produits, il y a le prospectus. Prospectus, dont le prescripteur va s'inspirer pour produire des tracts. Le prospectus, vous en avez un à l'écran, c'est le plus ancien connu conservé que vous pouvez voir. Il est pratiqué au moins depuis l'année 1469, en l'occurrence par Mentlin, qui est le premier imprimeur de la ville de Strasbourg et qui annonce ici la publication imminente d'un traité de théologie. Alors, effectivement, je vous concède que c'est assez sévère, hein, comme document publicitaire, mais en tout cas, il a le mérite de l'efficacité. On a d'autres prospectus qui sont peut-être plus parlants. Celui-ci a été imprimé à Venise par l'imprimeur Erhard Ratholdt pour la première édition des éléments d'Euclide en 1482. Et cette pratique du prospectus sur des feuillets volants, hein, sur des chutes de papier, des documents aisément transmissibles, facilement circulables, transposables, était aussi affichable, et ces prospectus inspirent ceci, c'est le tract. C'est un tract qui a été retrouvé par hasard, qui a été imprimé à la demande d'un professeur de l'université de Paris au tout début du XVIe siècle et qui incite à l'achat d'exemplaires imprimés. Alors, au moins depuis les années 1490, on pratique l'annonce des cours, dans les villes universitaires comme Paris ou Leipzig, on pratique l'annonce des cours par le moyen de ces affichettes, hein, ou de ces petits tracts imprimés. On en a conservé plusieurs témoignages. On voit qu'ils informent les étudiants de la tenue d'un cours. Ils indiquent le lieu du cours, ils indiquent le sujet, ils indiquent l'heure, mais ils indiquent surtout à quel endroit les étudiants peuvent se procurer les éditions des textes absolument nécessaires pour suivre ce cours, ou bien les exemplaires des éditions imprimées de ce cours lui-même. On a donc une transformation naturelle du prospectus en tract. Autre exemple de détournement formel, c'est celui qui, à partir du catalogue de libraires, du catalogue d'éditeurs, va donner naissance à la bibliographie sélective, laquelle a vocation à rassembler les choix d'un prescripteur dont l'autorité savante, spirituelle ou scientifique est déjà bien établie. Le plus ancien catalogue d'imprimeurs libraires connu, vous l'avez sous les yeux, il est issu des presses de Peter Schoeffer à Mayence. C'est une liste à vocation publicitaire. Voilà, qui a été découverte d'ailleurs, qui a été conservée par hasard. Hein. Ce ne sont pas des documents qui sont sanctuarisés par les institutions bibliothécaires. Cet unicum, il a été découvert par hasard dans la reliure d'un manuscrit à la fin du XIXe siècle. Voilà, mais on connaît aussi d'autres types de catalogues. Les catalogues des livres montrés à la foire de Francfort, hein, il existe aussi des catalogues qui prenaient la forme d'affiches et qui avaient vocation à être placardés dans différents endroits. Et bien ces catalogues, sur le plan formel, vont inspirer la conception de bibliographie sélective. Et la plus célèbre, la plus ambitieuse bibliographie sélective est celle d'un jésuite, Antonio Possevino, dont vous avez peut-être rencontré le nom. C'est un grand pédagogue, un grand intellectuel de la fin du XVIe siècle. Sa Bibliotheca
Selecta, elle est imprimée à Rome en 1593 par les presses vaticanes, avant une seconde édition à Venise au début du XVIIe siècle. Et Posevino a ici véritablement créé un genre. Il a composé un instrument prescriptif qui est un instrument prescriptif de lutte, qui est au service d'une cause, d'une vaste cause. Cette cause, c'est la contre-réforme, et qui est au service aussi de la pédagogie des jésuites. L'auteur dit dans la préface son effroi devant les progrès de l'hérésie, devant le succès et la circulation rapide de la production réformée, de la production livresque luthérienne et calviniste, et il constitue donc au service de la contre-réforme, au service de ce programme de reconquête par le livre, il constitue donc une sorte de bibliothèque contemporaine catholique idéale pour inciter à lire. Elle est de conception assez interventionniste, hein, c'est un instrument de lutte, comme je le disais, mais en même temps, elle a une certaine finesse, car Posevino commente de manière extrêmement séduisante et convaincue les titres à lire, les titres que l'on doit lire, les titres à faire circuler, à posséder, ce qui le dispense de désigner trop explicitement les livres à ne pas lire, les livres à proscrire et les livres à bannir et interdire. Donc il y a toujours une dynamique de proscription sous-jacente en marge des initiatives de prescription. Second constat que je dois formuler, c'est qu'avant le XVIIIe siècle, la prescription, la dynamique de prescription s'exerce de manière assez cloisonnée. Le prescripteur, qui est a priori, au moins en apparence, un tiers, pour reprendre la formule de Louis Viard, un tiers, c'est-à-dire a priori étranger aux professionnels de l'imprimerie et de la librairie, il dispose cependant d'un capital d'autorité, mais ce qui s'exerce sur un territoire donné. Et en tout cas, son autorité précède la prescription. Il y a tout particulièrement deux sphères, deux territoires dans lesquels l'exercice de la prescription est à la fois efficace et naturel. Le premier, on l'a déjà entreaperçu, c'est celui de la pédagogie et tout particulièrement la production universitaire. Et là, il y a en la matière une communauté qui, depuis le XVIe siècle, a déployé des efforts absolument colossaux, a déployé les efforts les plus vastes et les plus conscients. En la matière, ce sont les jésuites. L'ordre jésuite, créé en 1534, consacre la plus grande part de son activité à la pédagogie et développe un enseignement qui est censé, alors je fais un bref récapitulatif, mais qui est centré sur un triptyque pédagogique. Vous avez la prélectio, la prélecture, ce qui consiste à lire un grand nombre de textes prescrits qui doivent être rendus disponibles à l'ensemble des étudiants, après quoi vous passez à la disputatio, c'est-à-dire au commentaire, à la discussion de ce corpus textuel, pour ensuite déboucher sur la déclamatio. La déclamatio, c'est l'imitation qui conduit ces enseignants à produire eux-mêmes, ces étudiants, pardon, à devenir enseignants et à produire eux-mêmes des livres et à alimenter ce corpus. Donc vous devinez bien que cette dynamique repose sur une prescription absolument déterminante dans leur activité. Et le second secteur dans lequel la prescription est déterminante, c'est celui du livre de spiritualité. Et là, nous avons sur ce terrain un record absolu pour l'Imitatio Christi, l'imitation de Jésus-Christ, qui est non seulement le livre le plus imprimé et le plus lu après la Bible, entre la fin du XVe et le tout début du XIXe siècle, c'est le petit livre rouge de l'ancien régime typographique, mais c'est non seulement donc le livre le plus édité, le plus lu, mais c'est aussi le livre le plus prescrit. Et pour différentes raisons sur lesquelles qu'on n'a pas le temps de développer, mais qui sont assez intéressantes, c'est que l'Imitatio est un texte qui s'adresse véritablement à un lecteur silencieux, à un lecteur individuel. On est dans une approche intime de la pratique de la lecture, qui n'était pas universelle sous l'Ancien Régime. Et justement, la prescription systématique de ce livre dans différentes communautés spirituelles tient compte de cette... Enfin, est d'autant plus importante, représente un enjeu d'autant plus fort que justement, on est dans un temps, à partir du XVIIe siècle, où se développe une pastorale du livre qui accorde plus d'autonomie aux fidèles et qui le
responsabilise ou qui affecte ou feint de le responsabiliser dans ses usages textuels. Alors les choses changent à la fin du XVIIe siècle et à partir du début du XVIIIe siècle, on entre dans ce que l'historiographie allemande a appelé la Leserevolution, la révolution de la lecture, la révolution du livre, avec la création d'un vaste espace public à l'échelle d'abord européenne, qui est caractérisée par un boom éditorial, par l'expansion et la diversification des objets imprimés, par un essor perceptible du lectorat qui dispose désormais de matériaux et de ressources potentiellement infinies et extrêmement diversifiées et nouvelles. C'est le succès notamment des périodiques et des journaux de toutes sortes. La conséquence, c'est la concurrence, la difficulté de sélectionner, d'où l'enjeu renouvelé que représente la prescription. J'ai retenu à ce titre un diagnostic formulé par Voltaire dans sa correspondance à l'éditeur Jacques Lacombe en 1767. Voltaire écrit « Le public est actuellement si inondé de tout ce qui s'appelle tragédie, qu'elle soit représentée ou imprimée, qu'à moins d'annoncer la vôtre ou celle que vous aimerez d'une manière avantageuse, vous courez le risque de ne pas les vendre. » Alors les espaces de prescription, dans ce temps de Leserevolution, se multiplient aussi. Ce sont désormais des cabinets de lecture qui sont des institutions nouvelles, qui ont à mi-chemin entre la librairie et la bibliothèque, qui ont vocation à sélectionner des titres pour en offrir la lecture à des adhérents. Ce sont aussi les salons qui ont gagné en autonomie, car dans ces salons que fréquentent notamment les philosophes, le salon de la marquise de Lambert au début du XVIIIe, puis le salon de Madame du Deffand, ce n'est plus l'alignement sur les goûts et les prescriptions de la cour qui dicte le contenu des lectures conseillées et des échanges. La prescription est devenue un exercice critique et l'enjeu de la prescription, c'est davantage la critique du lecteur que le mimétisme social et que le mimétisme intellectuel. Mais l'élément le plus structurant de ce nouvel espace public de la prescription du livre, c'est le périodique, la presse. Les périodiques sont apparus au début du XVIIe siècle, mais leur investissement par la prescription date des années 1660. Et à partir de là, ils remplissent un important rôle de signalement qui est absolument décisif et qui reste sans concurrence, qui reste sans concurrence jusqu'au milieu du XXe siècle. Avec l'apparition, j'y reviendrai rapidement, de la radio et de la télévision. Mais ces périodiques mettent en exergue les nouveautés de l'actualité éditoriale selon des mécaniques dans lesquelles on a parfois du mal à distinguer la promotion de la prescription. J'y reviendrai rapidement. Il y a trois titres qui sont particulièrement actifs, innovants en la matière et qui se consacrent de manière déterminée à la prescription. C'est le Journal des Savants à partir de 1665, ce sont les Nouvelles de la République des Lettres à partir de 1684, donc une revue, un périodique créé en Hollande par Pierre Bayle, qui ne peut pas exercer pour des raisons de religion prétendument réformée en France. Et en tout cas, ces Nouvelles de la République des Lettres vont assurer une notoriété extrêmement efficace aux livres dont elles vont rendre compte, et ceci à l'échelle de l'Europe. Il y a plusieurs témoins de ce succès. Il y a notamment le fait qu'un autre journal du temps, le Mercure Galant, va proposer systématiquement de publier les réponses des auteurs mécontents par les remarques parues dans ces Nouvelles de la République des Lettres. Donc c'est vraiment pour le coup là, un instrument décisif qui est convoité par la plupart des éditeurs et des auteurs. Et en même temps, aussi bien Pierre Bayle que ces Nouvelles de la République des Lettres vont assurer la promotion d'une nouvelle figure. Cette figure, c'est celle du journaliste littéraire. Il y a aussi un autre titre que j'aimerais citer, qui est tout à fait exceptionnel, qui prend pour titre un peu anodin, nouvelle littéraire, et qui est issu de l'hybridation des deux dispositifs que sont le périodique et la correspondance manuscrite, puisqu'en effet c'est un journal diffusé à partir du milieu du XVIIIe siècle qui est diffusé exclusivement sous forme manuscrite.
les feuilles sont distribuées auprès d'un lectorat choisi, aussi bien en France, à Paris, en province, que dans les autres États européens. À partir des années 1750, Diderot en devient un contributeur décisif et actif. En tout cas, ce choix du support manuscrit est le garant de la liberté de ton et de vue et a permis systématiquement à ces nouvelles littéraires d'échapper à la censure. Gardez à l'idée que parmi les abonnés, on retrouve Catherine II de Russie et la plupart des grands aristocrates éclairés européens. Et ce caractère hybride de ce périodique, le cadre semi-privé qui est celui de la correspondance et en même temps le choix de cette périodicité inventée par le dispositif du périodique, me semble finalement assez proche de ce que nous observons en termes de fonctionnement dans les réseaux sociaux. À l'intérieur de ce dispositif périodique, l'étape suivante, j'avance à très forcé bien évidemment, c'est l'apparition du feuilleton. Vous le savez, le feuilleton, c'est la partie basse, délimitée par un filet imprimé. C'est la partie basse, la partie inférieure de la première page d'un journal. Et dès le début du 19e siècle, ce rez-de-chaussée du périodique, ce rez-de-chaussée du quotidien, de l'hebdomadaire, est consacré à l'actualité des arts et des sciences, et notamment à la critique dramatique et éditoriale. Compte-rendu des spectacles et compte-rendu des livres les plus récents. Et c'est seulement un petit peu plus tard, à partir des années 30, que se développe l'usage d'intégrer dans ce feuilleton la publication par parties séparées d'œuvres de fiction. La vocation initiale du feuilleton, c'est la critique dramatique et c'est la critique éditoriale. Et si vous voulez quelques témoignages de l'extrême attention que les auteurs et les éditeurs portent au contenu des feuilletons critiques et à leurs répercussions, eh bien, allez vous promener dans les archives de Victor Hugo. Alors, nous sommes à la maison de Victor Hugo, Hauteville House, à Guernesey, et on voit que Hugo lui-même a composé des dossiers documentaires. Il a découpé les feuilletons, les parties basses de plusieurs périodiques, pour suivre, pour mesurer, pour apprécier le succès de la plupart de ces publications. Donc là, nous sommes en 1828. Il s'agit des comptes rendus publiés suite à la publication de sa pièce Cromwell. Donc en quelque sorte, ce feuilleton dans le dispositif journalistique est la matrice de la prescription journalistique moderne, qu'on va voir s'étendre dans la presse écrite, puis radiophonique à partir des années 30, puis télévisée à partir des années 1950. Ce que l'on note en particulier quand on observe à très grands traits l'évolution de la prescription éditoriale au 19e siècle, c'est sa prise en main massive, son investissement presque systématique par les éditeurs scolaires, dans un contexte qui est celui de l'extension des marchés éditoriaux, de la massification progressive de la production éditoriale et du développement des institutions scolaires. Et ce que l'on observe, c'est que ces éditeurs scolaires, enfin ces éditeurs qui investissent de manière prioritaire le marché de l'école et le marché de la pédagogie, plutôt que de courtiser l'offre de prescription proposée par des périodiques déjà en place, eh bien certains éditeurs scolaires vont créer de toutes pièces leur titre de périodique pour effectuer de manière déguisée, de la prescription. Les initiatives de la maison Hachette sont pionnières en la matière, Hachette publiant le journal Le Lycée à partir de 1827 ou le manuel général de l'instruction primaire à partir de 1844. Même offre, mêmes initiatives chez Larousse avec l'école normale, un titre de son journal à partir de 1858, ou chez Delagrave avec l'instituteur que vous avez à l'écran à partir de 1868 ou la revue pédagogique. Et c'est assez, on voit bien que certains de ces éditeurs dont on sait, lorsqu'on analyse ces journaux, on sait qu'ils sont maintenus sur le plan économique par les éditeurs scolaires, certains, comme l'instituteur, s'efforcent de masquer la présence de l'éditeur
de l'aggrave hein, aux commandes de ce périodique. Il y a presque un effet de manipulation du lectorat qui laisse penser que l'instituteur est un journal tenu, alimenté par le corps enseignant à destination du corps enseignant. Alors, la prescription fait l'objet d'actes individuels ou ponctuels. Hein. Les prescripteurs attirent l'attention sur un titre, sur quelques titres, mais je me suis forcé aussi de localiser, de repérer des initiatives plus massives, plus globales de prescription au cours des 19e et 20e siècles, des initiatives plus structurées. Et la plus éloquente au XXe siècle, je crois, peut être repérée sur le terrain politique. Il y a, au début des années 50, un véritable programme extrêmement structuré qui est conduit à l'initiative du Parti communiste français. On est entre 1950 et 1952, qui est planifié par Elsa Triolet, qui est elle-même à l'origine du titre donné à cette campagne. C'est la campagne de la bataille du livre. C'est vraiment un épisode éclair qui dure 2 ans, mais qui a laissé trace dans l'histoire de la librairie et dans l'histoire de la prescription. Donc c'est une vaste campagne de prescription, donc très encadrée, qui englobe à la fois des actions militantes des écrivains communistes, des expositions de livres, des lectures publiques, la constitution de librairies itinérantes qui vont circuler dans les marchés, qui vont circuler dans les usines, programme qui inclut aussi la création de bibliothèques de la bataille du livre, hein, qui elles aussi peuvent être itinérantes, l'ensemble étant composé autour d'un vaste corpus de textes dans lequel on trouve aussi bien des romanciers contemporains que des romanciers réalistes et des classiques de la littérature un peu plus ancienne, mais fraîchement republié, Dumas, Verne, Hugo, Vallès, etc. Il y a une conception très agonistique du reste de ce programme. Hein. Je cite Elsa Triolet qui considère que tout livre est une arme pour nous ou contre nous. Voilà, il s'agit aussi, mais on n'a pas le temps de développer, d'un programme de lutte contre ce que ce Caragon appelait une certaine littérature d'invasion, pour le coup. Donc on est vraiment dans une... Elsa Triolet appartenant au comité du livre français, hein, créé en 1948, l'idée étant de défendre le marché français contre l'invasion du livre américain, pour dire les choses très simplement. Alors, on a des données chiffrées qui laissent penser que le succès, l'efficacité de cette bataille du livre est assez médiocre, d'où la décision d'interrompre cette vaste campagne programmatique en 1952. Moi, ce qui me surprend quand je regarde le contenu de cette bataille du livre, c'est que finalement, aussi bien Elsa Triolet et ses collaborateurs ont presque affecté d'ignorer qu'une nouvelle révolution médiatique venait d'étendre l'instrumentarium de la prescription. Et cette révolution médiatique, c'était le surgissement de la radio dans les années 20 et le surgissement de la télévision, hein, qui ne sont absolument pas mobilisés par cette bataille du livre. Alors, très rapidement, les premières émissions littéraires radiophoniques datent des années 30. C'est sans doute à partir de 1936. Il y a 3 principales antennes à Paris. Vous avez Radio Tour Eiffel, vous avez Radio PTT et Radio La, qui deviendra Radio Paris. Hein, elles ont été fondées au début des années 20, mais elles intègrent dès le milieu des années 30 des chroniques et des causeries sur l'actualité littéraire, dans lesquelles interviennent aussi bien des journalistes, hein, Paul Rebout, journaliste littéraire, que des auteurs, des écrivains parlant de leur père. Et c'est André Billy qui, là, pour le coup, est très présent à la radio pour évoquer l'actualité française et étrangère sur le plan éditorial. Passons rapidement à la télévision. La première... La première émission de télévision littéraire en France me semble avoir été Lecture pour tous. Elle est diffusée de mars 1953 jusqu'à mai 1968, donc une certaine longévité. Voilà, elle est animée par des gens dont on, enfin au moins Pierre Dumayet, hein, qui a marqué l'histoire du journalisme littéraire, Pierre Desgroupes,
Et depuis, comme vous le savez, cette première Lecture pour tous, de nombreuses émissions se sont succédées sur différentes chaînes au fur et à mesure de l'extension et de la diversification de l'offre télévisuelle. En tout cas, Lecture pour tous était diffusée par Radiovision PTT, qui était la première et la plus ancienne chaîne de télévision généraliste nationale, puisqu'elle a commencé à émettre à partir de 1937. Donc, en conclusion de ce bref et nécessairement rapide panorama pré-numérique, j'ai envie de retenir que l'évolution des supports de prescription et des enjeux de la prescription est marquée surtout par deux phénomènes. Le premier, c'est celui de la recherche de la réactivité. Le recours d'abord à l'imprimé, puis au périodique, d'abord au mensuel, puis au quotidien et aux hebdomadaires à travers les feuilletons. Puis la sollicitation de la radiodiffusion et de la télévision montre que le prescripteur cherche à accompagner de plus en plus près la production littéraire et à s'intégrer de manière la plus immédiate, la moins médiatisée, si vous voulez, sans jeu de mots, au flux économique éditorial en lui faisant un écho le plus rapide et le plus immédiat. Deuxième caractéristique, on assiste à un phénomène de décloisonnement. Indépendamment de l'extension de l'audience de ces outils, l'outil imprimé, l'outil périodique, l'outil la radio, etc., on voit que la prescription critique cesse progressivement d'être une émanation des cercles humanistes, littéraires ou savants, dans lesquels, en gros, les écrivains, les experts préalablement identifiés apprécient et recommandent leurs pairs. Cette évolution est donc marquée par l'autonomisation, d'abord du journalisme, lui-même supplanté par la figure du lecteur, le lecteur non journaliste, le lecteur purement lecteur, avec l'idée dans ce processus que, et là je reviens aussi sur la conférence inaugurale, l'idée dans ce processus que le critère de personnalité, que le critère de subjectivité serait ou peut-être est plus légitime que le critère d'autorité. Il y a enfin, et pour terminer, toujours une ambiguïté latente, un soupçon d'ambiguïté aux yeux de l'historien quand on se penche sur ces phénomènes de prescription anciens. Qui est derrière le prescripteur? Qui oriente plus ou moins discrètement, plus ou moins visiblement ses interventions? Ce qu'on doit constater, on en a des preuves assez anciennes, on l'a vu avec Gutenberg et ses acolytes, mais on retrouve aussi ces phénomènes au XVIIe siècle, c'est que le service de presse utilise volontairement, plus ou moins, de manière plus ou moins explicite, le canal de la prescription quand il l'a identifié. Des travaux récents ont montré que les éditions des pièces de Molière dans les années 1660 étaient très largement signalées dans les gazettes, dans les périodiques aussi bien français que hollandais. Et on sait aujourd'hui que c'est Jean Riboud, le premier éditeur de Molière, qui fut à l'initiative de ces interventions. Il a même sans doute volontairement pris l'initiative de publier les œuvres que certains journalistes actifs dans ces titres, les œuvres qu'ils produisaient pour se garantir leur bonne vue. Donc le départ entre service presse pour utiliser une terminologie moderne et prescription reste volontairement flou, et les frontières, la perméabilité de ces frontières est sensible dès l'ancien régime typographique. Et c'est une perméabilité, si je puis dire, qui s'exerce dans les deux sens. Je voudrais citer cette sortie bien connue de Bernard Pivot, cette promesse qu'il a faite en 1985, on est sur le plateau d'Apostrophe à 10 ans. Il parle du roman Neige au soleil qui vient de paraître de William Boyd, et il dit: un lecteur normalement constitué ne peut pas ne pas lire ce livre avec passion. Je rembourserai ceux qui ne seraient pas séduits par la lecture de ce livre. Voilà, donc là, la rhétorique du prescripteur s'exerce avec les armes du publicitaire ou de l'attaché de presse. Voilà, merci de votre attention.